tu pries plus fort. J'en fous de bordel dans ta vie, j'viens casser la scène dans ta ville. J'en fous de bordel dans ta vie, j'viens casser la scène dans ta ville. Fais du bruit. Vous m'avez dit, ouais, le Toustro, qu'est-ce que ça te manque, machin et tout. On réessaye. Et si on valide, on remonte la jaune. Comme ça au moins. On a la mob à Clément qui est là. Donc c'est un 250YZ de 2020. Il y a une ligne pro-circuit dessus, donc ça respire. Elle a des belles suspensions, tiens, viens voir. C'est vrai que les suspensions, ça vaut le coup d'œil. Parce que là, on voit plus grand-chose. Clément, t'as roulé dans la merde, c'est pas malin. Là, on n'y voit plus rien. Voilà. Ouais, c'est des... Elles sont préparées par... Dragon Tech. Dans le nord de la France. Il y a un traitement doré et tout, c'est du plus bel effet. Eh ben on va monter là-dessus puis on va voir comment ça. On va voir comment ça chante. On va la faire ronfler un peu. On va la faire ronfler. Donc là, s'il y a un maximum de commentaires, eh ben on fait vraiment quelque chose de dingue avec. Enfin de dingue. On remonte une belle moto avec la YZ jaune que vous avez vu au début dans les vidéos. Ça fait super longtemps que je suis pas monté sur le 2,5 yam et bah ça fait du bien, on va pas se mentir. Et vous voyez, faut reprendre un peu, faut prendre son temps parce que c'est vrai que ça craque très différemment. C'est super différent niveau position, comment ça pète et tout. Donc on va y aller étape par étape. Je vais faire quelques tours tranquilles. Ça fait du bien d'être là-dessus, c'est léger, ça marche, c'est un truc de dingue. Bon,
Oh, je refais la mienne, c'est énorme. Mais vas-y, vas-y. Oh, c'est énorme. Et tu sais quoi, j'attends même pas vos commentaires. On refait la moto direct, elle est énorme. C'est trop bon, ça faisait trop longtemps que j'étais pas monté là-dessus. Mais vous voyez, comme quoi, changer de moto, c'est important aussi. Parce que ça nous redonne du plaisir. Et si j'avais pas fait ce changement au moment avec la Kawa par rapport au Denis Yam, je pense que ça m'aurait plus sué. Donc c'est plutôt positif. Attends, je finis d'essayer ça. Pour dire que il faut qu'on fasse un beau deux temps. Voilà. Hein? Non, je pense, hein, vraiment. Hein. On va faire ça, on va s'occuper de faire un beau tout proche. Vous voyez la différence? Il y a au niveau, là on le sent, là, comme le terrain est glissant parce qu'il a plu tout à l'heure, il y a des petites différences quand même par rapport aux 4 temps. On fatigue un petit peu plus vite là-dessus. La moto elle demande. C'est un peu plus exigeant en fait pour qu'elle ait la même. Pour essayer d'avoir la même vitesse en tout cas. Ça patine un peu plus, c'est moins collé au sol que le 4 temps. En revanche, celle-là, elle a l'avantage d'avoir des bonnes suspensions. Donc ça la rend super agréable à rouler. Ça reste un 2,5 de temps, c'est violent, mais celle-ci, elle est facile. Et les suspensions, vous voyez comme quoi ça change absolument. Avant de mettre une ligne, des bonnes suspensions, et c'est bon. Bon, très bien. Aurèle à la prod. Tiens Clément, vas-y je te la laisse. Ah. Merci pour l'essai, c'est super gentil. De rien, avec plaisir. C'était lourd. Bon, je vais pas te piquer ta moto, je vais m'occuper de la mienne. Oh là là, ce bruit bordel. À tout bien. Comme s'il n'y avait pas de lendemain. La vie est belle. Allons rouler. Oh, on va finir là-dessus. La vie est belle, allons rouler. Allez, ciao les jeunes.